Vous allez jamais me croire, d'accord, mais je vais quand même vous le dire. Oui, j'ai packé deux trophées titans dans le même pack. Et pas que, une vidéo avec des gros packs et une vidéo qui, j'espère, va vous faire plaisir. On va d'ailleurs directement aller ouvrir ces gros packs. J'ai passé ma vie sur les jetons, mais je les ai faits. Et on va commencer par ça, les deux packs 20 joueurs 84+. On va du coup valider ces deux défis et on va se faire plaisir. Il fallait 20 jetons du coup. J'ai fait le choix, j'ai pris le parti de garder ces packs là pour cet événement là. Pourquoi? Parce que l'événement il est tout simplement fou. On va regarder les cartes en détail dans quelques instants. Juste avant, on va aller valider ces deux défis pour aller vite récupérer ces deux packs dans la boutique. Et on va les ouvrir avec grand plaisir. J'espère vraiment avoir du lourd. Voilà, c'est validé. 20 jetons échangés contre deux packs 20 joueurs 84+. Est-ce que cela va être rentable? Eh bien, on va voir ça. La raison pour laquelle j'ai gardé ces packs là, bah, cette équipe de trophy titan du coup avec des joueurs comme Zidane. On a Zidane, c'est bon, la promo elle est réussie. On a des Yaya Touré également, des Lucio qui coûtent près de 6 millions, des 5 millions. On a des Philippe Lam qui sont très intéressants, des Bergkamp qui peuvent être pas mal, des Ferdinand à près de 2 millions, des Del Piero, des Torres. Bref, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles cartes. Et du coup, c'est pour cela que j'ai gardé ces packs-là pour l'événement. J'ai gardé tous les gros packs, je vais être honnête avec vous. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux packs-là. Voilà, pack 20 joueurs 84+. Ces deux packs-là, on va les ouvrir. On va espérer avoir du lourd. Et c'est parti. Le pack est ouvert et Rino. Voilà, on ne regarde pas. Et puis, on va regarder dans quelques instants la carte que l'on va avoir. J'espère avoir du lourd. C'est parti. Allez, si on peut avoir une icône dès le départ, dès le premier pack, ce serait exceptionnel. On commence avec une carte à 84 de général. On a deux doublons. Donc j'imagine, je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme doublon, en vrai, je connais pas les joueurs de mon club. 87 désormais, 88, ok. Et là, on passe avec des versions boost. Franchement, s'il n'y a pas une version héros ou quoi, je pète mon crâne. C'est bon, là, il y en a un, je pense. Je pense qu'il y en a un, c'est obligé. 84, ok. 85 boost, ok. 86 boost, ok. Let's go! Il y en a un qui est tombé. Oh, voilà! Les deux, les gars, je vous les ai montrés instant. Del Piero et Torres. Les deux dans le pack. On en a eu deux. Ah, par contre, Del Piero, c'est pas le mieux, frérot. Et Torres, est-ce que c'est une belle carte? On a eu quand même deux belles icônes. Et je regarde un petit peu si ça cache. Non. Oh là là, on a eu les versions baby, mais ça tombe de fou. Deux dès le premier pack, exceptionnel. Oh, alors c'est Del Piero qui plus est, c'est une icône que je pourrais tester, tu vois, ça me fait plaisir. Et Torres, en vrai, c'est une belle carte également. On a eu des boosts, on a eu ce qu'il fallait. Franchement, premier pack, j'ai envie de vous dire, assez rentable. Franchement, c'est gratuit, c'est un cadeau d'eSports. J'ai bien fait d'avoir fait les jetons. Et maintenant, on va aller ouvrir le deuxième pack. On va espérer avoir mieux. On va aller ouvrir ce deuxième pack. Je pense que le pack opening, il promet d'être exceptionnel. Et par ailleurs, en parlant de choses exceptionnelles, je voulais vous parler de la promo avec Eneba. Puisqu'effectivement, vous avez la carte PSN de 50€ pour 42,29€, toute charge comprise. Et ça marche d'ailleurs jusqu'à mardi minuit. Hein. C'est pas jusqu'à dimanche minuit. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous sélectionnez l'offre la moins chère, donc c'est la 44,63€. Vous avez un code de réduction, oui, et vous mettez pack PSN utilisé. Ça vous permet d'avoir une belle remise. Vous choisissez PayPal par exemple, et voilà, ça vous revient à 42,91€. Une promo plus qu'intéressante, je voulais vous en parler. Maintenant, on va aller ouvrir ce deuxième pack 20 joueurs 84+. D'ailleurs, j'ai envie de voir l'animation qu'on a eue tout à l'heure. Oh, elle est magnifique, l'animation, regardez. Bien sûr qu'on a enregistré, j'ai très très bien fait. Del Piero, let's go. Voilà la belle icône qui sort. Donc c'est-à-dire que là, si on les ouvre, on les a directement dans les packs. Donc c'est une très très belle initiative de la part d'eSports. Maintenant, on va aller ouvrir le deuxième. Nous sommes prêts, vous êtes prêts? Je suis prêt, c'est parti, let's go. Et on met les rideaux. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est parti, c'est ouvert. Alors, est-ce qu'on va avoir un doublon? Est-ce qu'on va avoir un Torres en doublon? Il y a trois doublons, d'accord, bon. Ça paraît un petit peu similaire au pack d'avant, si ce n'est que le pack d'avant, je crois qu'on commençait avec un 84. Donc c'est peut-être un peu mieux, 86, il y en a pas mal quand même, 87, 88 désormais, 89, ouais. Est-ce qu'on va aller sur du boost maintenant? Aïe, 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 ça va être compliqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est compliqué si on en a un. Ce serait pas mal, il y a deux boosts qui tombent, et le dernier les amis, c'est un joueur qui serait Champions League, Darmian. Aïe, aïe. Est-ce qu'à la fin, il y en a un? Non, il n'y en a pas. Bon, on en a eu deux dans un pack quand même. Je ne sais pas si vous en rendez compte, la chance qu'on a eue maintenant. On va aller ouvrir tous les packs que j'ai gardés toute la semaine. On va se régaler, vous allez voir. Allez, c'est parti. On va commencer avec un pack de joueurs 85+. Des packs, c'est des cadeaux d'eSports. À tout moment, on a des gros joueurs et ça va nous permettre d'affiner notre équipe Ultimate Team. On a un petit Hugminson à 89 de général. Franchement, on prend. Un très bon pack opening. Un très bon joueur. On va enchaîner avec d'autres cartes, j'espère, des gros gros packs. Franchement, les feux de bordée, c'est sympa.
Mais il y a quand même des packs avec des idiots qui peuvent sortir, qui coûtent près de 10 millions de crédits. Et c'est même pas la somme en fait qui m'intéresse, c'est surtout la carte. Quand je vois des Zizou qui sont avec des versions comme As, je me dis il me les faut dans mon club en fait. Et là, on avait la possibilité de les avoir à ces packs là. Franchement, on a bien fait de les ouvrir maintenant. Pack joueur rare 84+, c'est parti. Contient un joueur 84 ou plus garanti. Ça va à droite, malheureusement. Le pack est pas foufou. Ouais, non, gardien espagnol, on peut skipper. De Réa quand même, hein. Attention, hein, j'ai dit on peut skipper. David De Réa 87, je ne réitère pas ce que je viens de dire. Pack 5 joueurs 84+. Allez, on s'ouvre ça pour le plaisir, pour le kiff. Va-t-on avoir un héros fut titan, je sais pas. Non, ça va pas du tout être ça, ça va être un Skriniar défenseur central. Encore une grosse animation, mais où va-t-on s'arrêter? Pack 5 joueurs 84+. Oh, c'est ça, c'est des beaux packs. Déjà, on va ouvrir avec... Il y en a un seul. À ton avis, est-ce qu'on va avoir un seul héros? Bon, là, il n'y a pas, c'est Pologne, buteur. Non, gardien, ça va être Chesney, qui est aussi une grosse animation. Ah là, vas-y, ça va. On va avoir les grosses cartes pour les futurs SBC de la semaine, c'est cool, au moins ça. Sachant que y a pas quand même, on n'a pas eu le gros Yaya Touré, tu vois, le gros Lucio. Pack 5 joueurs 85+ maintenant. Oh, ça va à gauche, boost. Ça peut peut-être cacher. Je pense pas, parce que du coup, on a eu le tout à l'heure, on a eu. C'est Dinatale, non, Del Piero qu'on a eu, hein, ouais, que je déconne pas. Tripper quand même, grosse animation 88 de général. Est-ce que ça cache un gros joueur? Je ne sais pas, mais je pense pas. Gabriel Jesus, en vrai, booster comme ça, c'est très très bien. On a Donnarumma. Mais le pack, il est fou. Le pack, il est exceptionnel. Carlson, 87. Pack 81+. Pack 2 joueurs, 83+. Pack 5 joueurs, 85. C'est quand même des beaux packs. Hein. Et là, j'ai gardé quand même quelques packs 3 joueurs, 80+. Que j'ai fait, que j'ai préparé. Donc, à tout moment, on va se les ouvrir. On va voir si on a du lourd. Il y a également les packs de la boutique. On va voir ce que la boutique nous prépare. Je vais vous dire mon ressenti sur l'événement qu'eSports propose. Je suis satisfait. Vraiment. Je pense que le taux de drop est intéressant, comme on a pu le voir. Hein. On a packé quand même 2 cartes. Super sympathique et qu'on va pouvoir tester. Et moi je vais les mettre dans mon équipe et puis je vais me les tester, même si c'est pas les meilleures versions qu'on a eues. Et je suis très content, voilà, de les avoir eu dans mon pack. Et non je suis très satisfait. Puis on peut avoir aussi Bergkamp version 93. Si vous regardez bien les SBC, vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc ça permet à ce que le jeu soit plus accessible à tous les joueurs. Et puis même le fait de pouvoir préparer avec les jetons Joker River toute la semaine. Et c'est pas Joker River d'ailleurs, c'est Fut Birthday. Et avoir ces packs là 84x20, je trouve que c'est une super idée de la part de EA. Et c'est bien de l'avoir mis en place. Et il faut que davantage ce genre d'événement soit proposé pour la communauté. Par contre là, le fait d'avoir deux animations joueurs bronze dans deux packs quand même, qui sont censés être pas si dégueu que ça, ça fait mal au cul. Bon, allez, maintenant j'ai envie de me faire plaisir. Je vais aller ouvrir un pack 85+, 5 joueurs 85+, c'est parti. Et je croise les doigts pour avoir un joueur héros. S'il vous plaît, allez, un petit titre trophée, titan, je ne sais pas. Gros, j'ai du mal à dire le nom de la promo. Et un petit Toni Kroos qui tombe. C'est pas le joueur que je voulais. Mais on prend. Voilà, ça fait partie des joueurs aussi qui sont à gros général et qui tombe très très souvent. Je vais décoffrer un petit peu mes packs 3 joueurs 80+. Et c'est très très bien, ça. Pologne, buteur. Oh, toujours le même, arrêtez, yeah. Oh, la belle carte qui sort. Rodri, que j'ai skippé. Et que je vais devoir aller récupérer. Faites-moi penser. Faut que je récupère Rodri. Faut que je récupère Chesney. Faut que je récupère Donnarumma. C'est les 3 joueurs que j'ai dû mettre en vente. Parce que j'ai déjà trop de joueurs en fait. Hein. Et les packs, là, les SBC qu'on propose, sont pas si intéressants que ça. Alors ce que tu décris là. Y a pas de goût et les couleurs, JBR. Y a pas de goût et les couleurs. Ce que tu décris là a un nom. Ça s'appelle l'intolérance. Mais non. Arrête, franchement, je m'en vais. Oh, let's go. Freddy Ljungberg dans un pack 3 joueurs. C'est quoi ce délire? Oh, la carte exceptionnelle. Le pack de folie. Freddy Ljungberg. Et je vais vous montrer d'ailleurs. Je pense que vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo. J'ai une carte or qui est tombée. J'ai même pas Ljungberg. Wouhou. Let's go. Et ben, on va le tester. Sachant qu'en plus, c'est un joueur de première ligue. Donc, c'est facilement calable. C'est pas non plus une carte qui me fait tant rêver que ça. Mais c'est une carte héros. Et ça fait plaisir d'avoir une carte héros trophée avec quand même. La carte qui fait plaisir, la petite photo et tout. J'allais en plus dire que ces packs 3 joueurs 80+, parce que c'était l'avant-dernier. J'allais dire que ces packs étaient horribles. Et ben au final, ces packs sont pas si horribles que ça. Deuxième chance pour avoir un pack exceptionnel et que ces packs-là soient des beaux cadeaux de Yé. Le deuxième est pas fou, défenseur. Ah, Rudiger, je disais pas fou. Animation quand même, on va prendre et ça peut cacher du coup un joueur héros à côté. J'ai mis le bonnet parce que je suis un gros crevard. J'ai échangé mes 3 derniers jetons là que j'ai dans mon club pour avoir un pack équipe Fut Birthday 1. Mais à tout moment, cette équipe Fut Birthday 1, il y a bien Puskás, il y a bien Jairzinho, hein, on est d'accord. Il y a Mataus, il y a Cantona. J'espère qu'on va avoir une icône.
Voilà, je croise mes doigts. Et voilà, on va avoir un pack du coup joueur de l'équipe numéro 1, Foot Birthday. C'est parti. Allez, pas de Thomas Müller, s'il vous plaît. Je veux un gros joueur. C'est pas une icône. Quel... Non, mes frères. Vas-y, j'enlève le bonnet. C'est bon, toujours il me donne le même. Thomas Müller, que j'ai... Je l'ai eu 6 fois, c'est bon. Fallait pas que je demande lui. Fallait que je dise pas de Marquinhos. Marquinhos, en vrai, j'aurais bien aimé, non. C'est... Quand même, c'est une belle carte, Thomas Müller. C'est un joueur à 91 de général. Donc je vais pas cracher dessus, c'est un beau cadeau de la part de eSports. Je prends. Je vais ouvrir ce pack. Et c'est printemps. Attention, hein, on est dans le printemps. Très beau pack. 10 joueurs rares 80+, dont un noté 85 ou plus garanti. Et on a, je vais regarder au niveau des pourcentages de chance, 8,5% de chance de paquer une icône titan des trophées et 3,5% de chance de paquer un titan héros. Donc on va se lancer ça. Et puis peut-être après, je sais pas si je vois davantage de packs, mais là on voit avec les crédits. C'est parti. Allez, let's go. On va se faire plaisir et avoir peut-être un joueur intéressant. Ça va à gauche, t'as un boost. Donc c'est pas mal, c'est des éléments non échangeables. Donc ça peut peut-être cacher un gros joueur. Moi je pense David Soria, c'est un joueur... Ah, il joue au ballon frérot, bon il est gardien frérot. Mets tes gants déjà de base, voilà. J'espère que tu vas nous cacher des gros joueurs. Attention, je veux de l'icône là. Attention, ouais bon, Fabinho Mendy. Et on a des joueurs en prêt. C'est quoi ce bordel? Bon, moi j'ai pas eu un Torres ou des joueurs comme ça. Merci eSports, très bel événement. Et on va continuer bien évidemment tout au long de la semaine à vous proposer des vidéos. Et si vous souhaitez regarder la vidéo où je réalise la meilleure draft cette année sur FIFA 23, il suffit de cliquer juste là. Je vais rester comme ça tant que tu cliques pas, frérot. Merci.